Bienvenue sur ma chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes vendredi 3 mai. Je vous tourne la vidéo du bilan de la première semaine. Déjà, c'est une petite semaine parce que j'ai fait mon remplissage le lundi. Du coup, je fais ma vidéo. Lundi ou mardi, j'ai fait, je sais plus, lundi. Mais mardi, je crois, le remplissage, j'ai fait. Mais du coup, j'ai fait mes courses, je fais mon bilan. J'ai vu, il va me rester une semaine en plus. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, je verrai. Pour l'instant, je fais comme s'il y avait 4 semaines. La dernière semaine, on s'était toujours débrouillé. On verra. Voilà, je ne vais pas me casser la tête à regarder ça maintenant. Allez, on va faire le bilan, voir ce qui s'est passé. Je suis assez contente, on a fait pas mal d'économies. Alors, ma petite calculette, elle est là. Alors, vous avez vu, j'ai fait une petite déco. Alors, ça, hop. Oh, je pensais pas qu'il m'en restait autant. Ça, on met dans la petite calculette, dans la tirelire qui compte toute seule pour... après, je sais pas, on verra. 2, 4, 5,40 €. Par contre, ce que j'ai pas regardé, c'est combien j'avais mis... dans les petits défis, je regarderai après. Ensuite, alimentation, il me reste 50 €. Alors, je suis contente, mais je savais que je n'avais pas utilisé tout. Et encore, j'ai acheté des choses que je n'avais pas vraiment besoin cette semaine. Et j'ai dit, ça m'évitera d'y acheter la semaine prochaine. J'ai dit, c'est pas grave. D'hiver, il me reste mes 10 €. Alors, entretien et hygiène, j'avais 30, il m'en reste 10. Promo, j'avais 30, il m'en reste 20. Santé, il me reste mes 20. Et école, il me reste mes 10. Alors, il devait manger à la cantine jeudi. Mais depuis mercredi, j'ai mon fils qui est malade. Ça a commencé mercredi soir, il m'a commencé à avoir mal à la gorge, à avoir de la fièvre. Hier, jeudi, il m'a fait de la fièvre. Et ce matin, il s'est levé encore avec plus de 38. Du coup, je l'ai gardé à la maison. Il n'est pas mangé, il n'a pas mangé à la cantine. Voilà. 2, 4, 6, 7. Je n'ai pas marqué plus. Oh là là, je mets 70. Céline. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. 70 plus on a dit 5,40 €, c'est ça? Ouais, 5,40 € plus 5,40 € plus on va regarder dans les petits défis tout de suite. Si je trouve mon classeur, hop, 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 il est là. On va regarder tout de suite, hein, ce sera fait. Je vais essayer de vous cadrer ce que après. Alors, on n'a pas mis grand chose hein, parce que la semaine elle commence. Calendrier, je me suis avancée jusqu'à samedi. Du coup, ça nous fait combien? 3 €. Voilà. Et celui-ci, 3 € aussi, je crois. J'ai une pièce de 2 là. Et un, c'est ça, 3 €. On avait mis 6 €. On est à une économie de 81,40 €. Alors, c'est très, 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 très bien. Je vais le noter tout de suite. Hop. Et j'ai pas effacé du mois d'avril. Pardon si je vous fais bouger, c'est pour ça que j'essaie de le faire d'habitude avant. Mais évidemment, j'ai encore oublié. Alors, on est au mois de mai. Alors, épargne, moi, je mets rien. On est à 81,40 € pour la première semaine. C'est très, très, très bien. Voilà, alors on va remplir tout de suite pour la semaine d'après. Et là, la vidéo, je vais vous la poster tout de suite après. Hein. Vous l'aurez dans l'après-midi. 150. D'habitude, je fais le jeudi, mais en ce moment, j'arrive pas à trouver le temps. Hop. Alors, 150. 2, 4, 6, 8, 10, 150. Ouais, j'arrive pas à trouver le temps le jeudi. Et là, j'ai dit, il faut que j'attende cet après-midi. J'ai emmené ma fille à l'école, là. Parce qu'il est quelle heure? Il est 2 h passées. Pas 14 h. J'ai dit, allez. Il est pas 2 h du matin en même temps. J'ai dit, allez. Je vais faire ça, après j'ai des commandes à faire. Et voilà, hein, la journée, je crois qu'elle va passer très vite. Voilà pour ça. Course, on est bon. D'hiver, on met 10 € et ce sera tout. Puisque école, la semaine prochaine, c'est férié jeudi et vendredi. Et du coup, c'est ou le jeudi ou vendredi. Il faut que je fasse de la monnaie aussi là. Et voilà. Hop, on est paré pour la semaine prochaine. Et on verra comment ça va se passer. Je mets là.
Hop, ça c'est bon. Et l'école, il me reste 20 euros, mais pour les semaines d'après. Et même, il risque de me manquer même 10 euros. Si j'aurais peut-être dû les garder, on verra comment je vais faire. C'est pas grave, je vais pas envie de me casser la tête maintenant. Allez, c'est parti. Alors, mon gros classeur, je pense que ce sera la dernière fois que vous allez le voir. J'ai pratiquement fini le petit classeur A6. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo bonus qu'on va prendre ce classeur et on va échanger avec l'autre. Je pense. Alors 5 euros, j'ai toujours rien. Défi 10 euros, on met 10 euros. Aïe, j'ai fini mon classeur. Mais plus 10. Et là aussi, je voulais tout gommer. Ben, je le ferai, de toute façon, c'est ça que je le fasse puisque vous allez avoir des problèmes avec les billets de 10, je sens. Et ça sert à rien, je vais les changer de toute façon. Alors là, du coup, on va mettre les 20 euros que j'avais pas mis la dernière fois, que j'avais sauté, puisque j'ai. On va les mettre. Mais plus 20. Voilà. Ça, c'est fait. Tu peux venir là. Ça, hop. Là, on n'a rien à mettre. Là, on avait 5 euros. Mais. Est-ce qu'il y a 5 euros en monnaie comme ça, je les mets tout de suite. Après, c'est pas bien pressé, hein, ça. 2, 3, 4. Non, j'ai pas de monnaie. Je le mettrai la semaine prochaine. Si j'arrive à avoir de la monnaie. Il y a 5 euros en pièces, mais je vais pas les mettre là-dedans. Ça. On verra après. Là, je vais mettre 10 euros. Même. Ou 20. Déjà, je vais mettre. On va faire par petit. D'abord, je mets le plus important. On met 10 euros dans le printemps. Celui-là, même que je finis avant, c'est pas plus mal. 10 euros, 1m5 et 5, 10. On a 50 euros sur les 80. Alors, c'est juste top. Il me reste que 30 euros à mettre. Je l'aurais peut-être fini ce mois. Voilà. On se fait un petit bingo. Tant qu'on a de la monnaie. Hop. Attention aux oreilles. Alors 5 plus 0, on a 5 euros. Et bon, on va mettre 10 euros et on va prendre 5. Hop. Et hop. Alors 50, on a dit. Hop. Alors, toujours cadré. On est au mois, oh zut, au mois de mai. 5 plus 0 égale 5 euros. 67 plus 5. On est à 72. Alors je suis super contente. Celui-ci aussi, ça va assez vite. Et je pense qu'elle va bientôt se finir quand même. Peut-être pas ce mois, je pense pas. Et si je prenais 20 euros, je mettais le billet de 20. 10, 15. Normalement, il y a 5 euros là, non? 15, 17, 18, 19 et 20. 2, 3, 4, 5, c'est ça. Hop, et je mets le billet de 20. Hop. Ça, c'est fait. La pluie, on va mettre au moins 3 euros. Pour me rattraper un peu, il va m'en manquer encore. Je regardais les jours où il a plu, je l'ai noté. On a dit on est 13, on en est à 13. Parce que ça c'est pareil, quand il est fini, je mets dans mes épargnes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Le tranquillou. Hop, on prend un petit dé. Hop, et c'est parti. Alors, 6. 4. Eh ben 2 euros. Hop. Pareil, là, il faut qu'absolument que j'enlève toute la mienne parce qu'il y a trop de. C'est pour ça qu'après, les classeurs, ils sont énormes, ils s'abîment. Alors, mais 2 euros. 9, 10, 11. On est à 31,50. Voilà. Est-ce que je l'ai barré? Ouais, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est bien si j'arrive à faire un petit peu de tout. On va lancer le dé ici. Je peux procher la carte. Hein. Allez, il faut que je fasse un 2. 1. Hop.
Là, je les ai coupés parce que je les ai mis dans mon nouveau classeur et j'ai gardé que celle-là pour l'instant. Hop. Du coup, là, on va mettre. Allez. Parce qu'en fait, j'ai. Là, je vais mettre les 10 euros là. Je vais en mettre 10 là. Excusez, encore match week-end. Ils vont encore me ramener. Alors, on a moins 60 euros. Et on a 178. J'aime pas quand je prends trop de retard dans celui-là. Mais là, ils ont enchaîné les matchs. Voilà quoi. Doucement. En plus, ils marquent beaucoup de buts. Du coup, et ben voilà. Allez. 10 euros ici. Par contre, je voulais mettre 2 euros. On va le mettre tout de suite. C'est dans mon classeur. Mais je suis obligée de le remplir avec les économies d'ici. Parce que là, je peux pas mettre toutes les semaines. Mais il faut que je les mette. 2 euros. Ici. Hop. Nous sommes à 36. Ah, je l'avais pas rectifié l'autre jour. Je recompterai, mais normalement, c'est ça. 36. J'aime bien ce petit défi-là. Vous le retrouvez chez Budget Famille Nombreuse. Voilà, beaucoup, beaucoup de petits défis qui est très sympa aussi. Là, il faut 5 euros au mois de mai. On verra plus tard. Hop. Ah, on va se faire un petit Monopoly. Je pense que j'aurai assez. Et ça, pareil, je me suis acheté une petite boîte quand je vais avoir mon nouveau classeur. J'ai acheté cette boîte-là à Action. Et je mettrai la monnaie du Monopoly dedans pour pas que ça me fasse trop épais. Mais on fera ça ensemble, vous verrez. Moi, je prends un seul dé. Hein, je suis dé avec ce dé, c'est pas possible. 1,40€. Alors, je vais vous montrer où j'étais. On était là, hein, 1,40€. Mais là, celui-là, j'ai dit, je vais 1€. Essayer d'accélérer le défi des pièces avec. Hop. 1€, 2€, bah, je vais les mettre ici. Je crois qu'il me reste 2€, 1€, 50, ouais, 2€, pile. Ils sont pris. Oh punaise. Bah, je vais prendre 1,90 et 10 centimes. Ça fait 2€. Hop. Pour une fois. Alors, on est au mois de mai. Toujours cadré, c'est bon. Plus 2€. 19, 20, 21, 20. Bah, c'est bien, ça avance bien. Du coup, il me reste ça. Alors, 5€ qui va aller ici. Comme ça, celui-ci, je suis tranquille jusqu'au mois prochain. Hop. Et 5€ dans le défi des 5€. Et je suis contente, j'ai pu en mettre un. Pareil, là, quand il y aura dans mon nouveau classeur, quand j'ai pas mal de liasses, eh ben, je les enlève, je les mettrai ailleurs. Dans une boîte rangée. Et je mettrai des faux pour pas avoir, avoir un classeur trop gros. Plus 5€. Voilà. Ça, c'est tout rempli. Hop, on va le ranger. Je le pose. Bah celui-là, il n'y avait rien. Et ben voilà, je crois que j'ai tout fait. Ici, j'ai 10 euros à mettre. Mais bon, je voulais le mettre. J'aurais pu mettre aujourd'hui, mais j'ai dit c'est 10 euros. Je pourrais. Ouais, on a. C'est ça, 10 euros, je ne me trompe pas. Oui, 10 euros. Alors, on aura le temps. Voilà. Bon. Et ben je crois que. Tout est bon, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je vais faire une vidéo bonus, hein. Ça je les mettrai dans ma tirelire plus tard. Je vais faire une vidéo bonus, je pense demain peut-être, ou enfin dans la ou ce week-end, je sais pas. On va enlever ce qu'il y a dans mon gros classeur pour mettre enfin, le A5 pour mettre dans le A6. Je l'ai fini, il va me manquer quelques enveloppes A6. Il va falloir que je passe une commande, du coup il manque des enveloppes A6, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vais faire 100. Enfin, je vais faire 100. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Et voilà. Bon, et ben moi, je vais vous laisser. On va aller préparer les commandes. Faire ce que j'ai à faire. Je vais vous faire de gros, gros bisous. Je vous dis encore merci pour tout. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vais vous dire et ben, la semaine prochaine pour la vidéo bonus. Ça, c'est sûr. Il y aura une vidéo avant vendredi prochain. Et la vidéo pour le bilan. Mais je vais vous faire une vidéo bonus sur à 100%. Voilà, je tombe là-dessus si j'ai rien oublié.
Voilà. Bon, allez, ben moi je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi, un bon week-end. Bye bye.